Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause créative donc du dimanche. Exceptionnellement aujourd'hui, parce que d'habitude je fais ça le vendredi à 17h, mais comme là c'était notre convention on stage, donc je n'ai pas pu être au rendez-vous. Donc vous m'avez réclamé le petit tuto sur les petites étiquettes que je vous avais publiées, donc je vais vous montrer ça, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est juste utiliser nos perforatrices qu'on a tendance à utiliser que pour nos vœux. Et je vais vous montrer que voilà, vous pouvez faire de jolies étiquettes en fonction des thèmes que vous avez envie. Bon, là en ce moment, voilà, on prépare Noël forcément, mais voilà, c'est aussi sur le thème de cadeaux, d'anniversaire. Enfin voilà, je vais vous montrer donc différentes petites techniques. Donc je vais quand même me présenter pour ceux qui arriveraient par hasard sur ma page. Donc je suis Ingrid, démonstratrice Stampin' Up depuis 2018. Et j'habite un petit village de Haute-Marne. Donc je vends sur ma boutique et sur catalogue des produits de loisirs créatifs de la marque Stampin' Up. Voilà, allez, on s'amuse. Coucou Sandrine, je retourne la caméra et je vous montre ça. Alors, sans mettre les doigts devant, comme d'habitude, à chaque fois je me trompe de côté. Allez, je vous montre. Alors, donc là, voilà les fameuses petites étiquettes. Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu plus de lumière. Comment tu vas, Sandrine? Alors, zoup, je pense que là, c'est pas mal. Un peu plus de lumière, ça sera mieux. Voilà. Alors, surtout, vous me dites hein, si le son est pas bon, si peut-être pencher un peu plus. Voilà, désolé pour le mal de merde, on va y arriver. Donc celles qui regarderaient après en replay, n'hésitez pas hein, toujours à mettre des commentaires si c'est pas clair, s'il y a besoin de plus d'informations, etc., etc. Autrement, donc ça je vous laisse aussi pour ceux qui commandent sur ma boutique en ligne. Ça c'est le code de novembre pour avoir vos primes créatives. Alors si vous faites une commande à 200 € voire plus, surtout vous ne le mettez pas et vous choisissez vous-même vos cadeaux. Alors, ça va? Ah bah oui, maintenant hein, je crois que ça va être de plus en plus rare. Alors, moi je me suis amusée avec cette perforatrice-ci. Mais c'est ce que je vous disais, vous pouvez faire avec n'importe quelle perforatrice, parce que regardez là, je m'amusais un petit peu avant en faisant d'autres techniques. Là, c'est une perforatrice, c'est celle-ci, vous savez, avec la forme un peu petit beurre. Donc vous pouvez aussi l'utiliser. Coucou Karine! Donc vous pouvez aussi utiliser celle-ci. Voilà, après vous utilisez celle que vous avez envie. Il y a aussi celle-ci. Enfin voilà, sortez vos perfos et puis amusez-vous. Avec celle que vous avez. Alors, on y va, je vais vous montrer ça. Alors, moi, j'ai choisi aussi ce petit set de tampons, mais je vais vous montrer, on peut faire aussi pareil avec n'importe quel set de tampons. Vous prenez celui que vous avez envie, au moment de faire votre étiquette. Alors, je regarde. J'ai fait donc avec celui-ci, Voltige des fêtes. Avec le joli oiseau là qu'on peut colorier de différentes façons pour faire plusieurs sortes d'oiseaux. On peut faire des mésanges. Donc là je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Si j'en ai une petite que je m'étais amusée à refaire. Donc une petite mésange. Vous pouvez faire un peu en rouge-gorge. Enfin voilà. Après, pour vous donner des modèles, vous allez aussi bien sur Google et puis vous cherchez images et puis voilà, ça peut vous donner des idées de colorisation aussi. Et je voulais vous montrer, vous voyez, vous pouvez faire aussi sur d'autres thèmes. Alors là, je me suis amusée avec le fameux set de tampons La neige prend vie. Comme ça, c'est une petite dédicace à Stéphanie qui commence aussi le scrap. Donc voilà. Donc on peut faire, vous voyez, selon les thèmes, selon ce que vous avez envie. Allez, on s'amuse un petit peu. Je vous montre ça. Alors, par contre, je voulais vous montrer aussi que j'ai fait différentes techniques. Là, c'est avec les feutres à alcool. Là, je m'étais amusée à faire avec nos crayons aquarelles. Et puis le crayon estompe. Donc, le crayon estompe, c'est celui-ci pour estomper, comme dit son nom, hein. Celui-ci. Et je m'étais amusée aussi. Alors là, c'est
aussi autre chose. Là, c'est carrément avec nos pâtes d'encre. Et j'ai pris notre crayon, notre Aqua Painter, hein, et j'ai diffusé l'encre directement dessus. Voilà, ça peut être différentes techniques aussi. Après, il faut faire des essais, puis vous choisissez la technique qui vous plaît le plus, qui est pour vous le plus facile. Allez, on y va, on s'amuse un petit coup. Allez. Alors, je vais prendre quand même une petite feuille de brouillon pour patacher mon nouveau set. Vous avez vu comme il est beau? C'est ce qu'on avait eu en cadeau dans notre boîte. Trouve trop joli. Allez, on va prendre une petite feuille de brouillon. J'en ai déjà mis un peu partout avant de m'amuser. Alors, vous créez quoi de beau, les filles, en ce moment? Je pense qu'on est tout à fond dans Noël. Alors, la perfo, pour celle qui commence, comme d'habitude, vous la prenez à l'envers pour voir le résultat de votre perforation. Hein? Perforation? Ouais. Allez. Alors, je regarde carrément sur l'autre. J'ai mis l'ordi pour les commentaires parce que... Avec le téléphone, ça sera plus compliqué. Pourquoi tu es jalouse? Pourquoi tu es jalouse, Karine? Je suis jalouse, je te vois dire je suis jalouse, Sniff. Ah, ça peut-être. Ben ouais, ma pauvre, t'as loupé le coche. Alors, donc voilà. Alors, on y va. On tamponne. Alors, vous préférez voir comment? Avec les Stampin' Blend, donc les feutres à alcool. J'ai déjà commencé les feutres à alcool. Et puis, hop, que je passe pas trop devant. Ah, bah ben oui. T'as vu comme il est beau? Ah ouais, je trouve que... Bon, ça vous donne un petit avant-goût de quelque chose. Alors, vous venez chercher votre encre, hein, pour celle qui commencerait. Voilà. Vous faites des petits bisous. Il va falloir que je réencre parce qu'à force... Alors, vous avez vu, moi, je ne l'ai pas mis en entier, hein, forcément, hein, en fonction de l'étiquette, de la grosseur de votre étiquette. Puis, on évite de mettre les doigts dedans, c'est mieux. Alors, voilà, je le mets à peu près comme ça. Ok. Je vais en faire une autre comme ça. Je vais faire peut-être la technique aussi avec les crayons aquarelles. Parce que je sais que j'en ai certaines qui ont les crayons aquarelles. Comme ça, ça donnera deux petites techniques. Ça sera sympa. Et puis... Voilà. Ah, puis je vais faire un petit bonhomme de neige si Stéphanie passe par là. Ou en replay. Je ne vais pas voir assez. Allez. Hop. Bah oui. C'est vrai que c'est... Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut regarder en replay aussi. Hein. On a juste que... Je sais plus quand. Alors... Ouais, c'est pas mal. Alors, au pire, hein, si on se trompe, vous retournez votre étiquette et vous retamponnez de l'autre côté. Hein. Moi, j'ai pas tout suivi non plus en direct, hein, parce que c'est quand même 2 jours et demi. Hein, donc, voilà, on ne peut pas être tout le temps sur les écrans de 9h à 16h. C'est, voilà, on a aussi une vie à côté. Alors, je vais faire une petite mésange bleue. Enfin, on va essayer. Donc, je prends mes Stampin' Blend. Alors, c'est nos feutres à alcool. Hein. Alors, je prends toujours, moi, je commence toujours par la couleur claire. Alors,
On va s'appliquer quand même. Alors, ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est que même si on ne sait pas colorier, ça laisse pas de traces. Et donc, ils se vendent toujours par deux, hein. Vous avez toujours une couleur foncée et une couleur plus claire. Et après, moi, je repasse. Alors, sur les tampons Stampin' Up, ce qui est bien, c'est que vous avez des endroits, regardez, où il y a déjà les ombres d'indiquer, en fait. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, je remets du foncé sur les ombres. Alors, c'est des idées hein, que je vous donne. C'est pareil. Hein, on est toujours d'accord. Hein, moi, c'est une façon de faire. Après, vous pouvez trouver d'autres façons chez d'autres démonstratrices. Hein. Et je repasse du clair. Donc, sur mes couleurs foncées, pour que justement les encres se travaillent entre elles, se fondent entre elles. Vous pouvez attendre un petit peu hein, que ça... Voilà, j'ai bavé. Voilà, puis en rajoutant plus ou moins pour que ça donne des dégradés de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez déjà un petit peu, voilà, les différentes dégradés. c'est ça, Karim. Oui, faut être partout. Entre un peu les courses quand même aussi, hein. Mais on a vu de très belles choses, hein. Franchement, c'est toujours bien parce que, justement, c'est des démonstratrices à travers le monde, donc on ne travaille pas toutes de la même manière, on n'a pas toutes les mêmes façons ouais, de faire, d'univers, de... Et puis, bah, comme d'habitude, quand on découvre le nouveau catalogue, donc les nouvelles collections, et puis, bah, des fois, on se dit, ouais, bof, et puis en voyant bah, les créations de certaines, on se dit, ah ouais, finalement, ça, c'est pas mal, j'avais pas pensé à ça. Alors là, je prends mon jaune. Alors là, j'ai pris du Narcisse Délice Claire. Et puis donc, ils nous ont dévoilé le nouveau catalogue et puis la brochure Célébration qui recommence, là, au mois de janvier. Et là, franchement... Il va y avoir de jolis cadeaux à s'offrir. Faut que je vous mette un peu l'eau à la bouche quand même. Alors là, ouais, j'ai mon Narcisse Délice foncé qui est un peu plus usé. Hein. Ça se voit que je dois bien l'aimer pour faire mes fleurs. Alors ça dure longtemps, hein, les crayons à alcool. Hein. Parce que ça, c'est un des premiers que je m'étais acheté, donc 2018. Hein. Alors là, je repasse du foncé, vous voyez, sur le... Là où il y a les traits. Et puis, plus vous en mettez, ben plus ça fonce. Hein, ce qui est logique, d'accord? Et moi, je repasse un petit coup. Je regarde si vous avez des commentaires en même temps. Et je repasse un petit coup de clair. Alors, pas tout à fait partout, pour laisser un petit peu de zone... Enfin, beaucoup plus clair, pas blanche, mais plus clair. Voilà. Et quand le résultat me plaît, eh ben j'arrête en fait. Donc voilà. Déjà une petite idée. On va lui mettre le bec de quelle couleur? Est-ce que j'ai un petit... gris, allez, on va mettre un peu de gris parce que la maison ça s'appelle le bec orange hein, quand même, je ne crois pas. Et gris foncé, alors c'est ardoise bourgeoise. Voilà, voilà, regardez.
assez joli, je trouve. Ouais, ça vous plaît? Alors, ça. Ensuite, comment j'avais fait? Là, vous avez vu, j'avais mis un petit peu pour m'amuser. Un petit peu de petits points. Alors, ça, je l'ai fait avec le murmure blanc. J'ai pris mon crayon, mon Aqua Painter. Vous savez, c'est nos stylos à réservoir d'eau. Je viens chercher juste un petit peu. J'humidifie un peu quand même ma plume. Et juste pour m'amuser, pour faire comme des petites plumes. Parce que mes anges, ils ont des endroits où ils sont beaucoup plus clairs. Je vous dis, hein, je suis allée voir, j'avais mis Google Images. Tiens, Karine, avec tes belles photos d'oiseaux, tu vas pouvoir rajouter des petites étiquettes comme ça, je suis en train de penser. Alors, je ne vais pas en mettre trop, hein. Puis, je vais en mettre juste un petit peu là dans la pupille. Alors, plus vous mettez un peu d'eau, regardez, ça fait plus blanc. Allez, c'est bon. Parce qu'après, il faut savoir s'arrêter. Puis vous nettoyez votre pinceau comme ça. Donc je vais remettre de l'eau parce que j'en ai plus beaucoup. Je vais avoir un mouchoir par là. Voilà, vous mettez votre eau comme ça, hop, pour nettoyer la mine. Et donc, vous avez vu, là, j'avais fait un petit fond. Et là, j'ai pris mes brosses estompes. Alors, vous pouvez faire au doigt mousse, hein, aussi. Alors, je vais reprendre... je vais prendre quelle couleur? Changer un peu. Allez, tiens, un petit peu de papaye pâle. J'aime bien aussi colorier, ça change un petit peu. Puis des petits projets comme ça, c'est sympa aussi à faire. Ça change un peu nos cartes, de choses comme ça, je trouve. Ça fait des étiquettes personnalisées, donc c'est encore plus sympa. Mais ça, je suis en train de penser, vous pouvez aussi vous en servir sur vos pages. Dans des albums, enfin voilà, il y a toujours, ça fait des petits tags. Ça peut être une idée aussi. Donc, on adapte en fonction du projet ou de ce qu'on a envie de faire. Ah, tu vois? Oh là là, on a des idées quand même. Si les petits cochons ne nous mangent pas. Alors, ça, ensuite, comment j'avais fait... J'aime bien aussi celle-ci sur la forme un peu timbre, là. Ça change aussi, je trouve. J'aime bien. Et puis l'autre, fait des compliments. Alors, moi, pour perforer, j'ai celle-ci aussi. Vous savez, celle-là, elle est pas mal. Parce qu'on peut faire... alors, vous faites l'étiquette comme ça. J'avais pas un projet... pour vous montrer un tout petit coup ce qu'on avait fait une fois qu'on s'était amusé, je crois, avec Karine. Voilà, ça fait une étiquette ainsi. Et vous pouvez la perforer de deux façons. Que je fasse pas de bêtises. Hop. Donc, on peut la perforer. Alors, moi, je perfore hein, au pifomètre, hein, je vous avoue. Hein. Donc, soit comme ça. Alors, je vais vous montrer. Hop.
Voilà, on n'est pas tout à fait droite, mais c'est pas grave. Soit comme ça, j'ai pas un brouillon aussi. Hop, regardez. Alors, soit vous perforez. Je vais y arriver là. Ouais. Soit vous faites donc des petits passants comme ça. Donc ça, par exemple, vous pouvez en faire de chaque côté et passer un ruban juste derrière et ça vous fait une étiquette pour fermer un album, par exemple, ou une carte, hein, ça fait joli aussi. Et vous avez aussi ce système-ci, hop, pareil, sur la même. Et là, ça vous fait pour faire un petit tag, en fait. Donc ça, c'est sympa aussi. Alors moi, je garde toujours les négatifs quand je perfore, parce que ça me sert de pochoir, par exemple. Voilà, une idée. Alors ça, je vous avais dit aussi que vous pouvez sortir, par exemple, ben, les pochoirs. Donc on en a des tout prêts. Hein. Vous savez, ça se présente ainsi. Ça, ça doit être dans la collection pain d'épices, je crois, de mémoire. Et ben on va changer. Je vais refaire un petit peu ceci pour changer un peu. Comme ça. Allez, je vais faire un petit peu. Ouais, comme ça, tiens. Je vais prendre là. Alors là, vous voyez, c'est quand même assez petit. Moi, je suis toujours dans le champ. Hop, je remonte un peu. Donc là, ça fait quand même assez petit. Donc moi, j'aime bien, dans ce cas-là, prendre mes petits doigts éponges. Vous savez, ceux-là. Vous enfilez votre doigt dedans. Vous allez chercher votre pâte d'encre. Donc je vais prendre ce Rescarma. Hop. Vous venez chercher votre encre, hein, tout simplement. Et puis, vous allez tamponner. Plus ou moins, hein, selon la couleur que vous voulez donner aussi. Je vais peut-être en rajouter une petite. Là. Là, vous voyez, j'ai bavé un tout petit coup, mais avec le ruban, ça va être caché. Il devait rester de l'encre tout à l'heure. Alors ça, vous nettoyez avec un chiffon humide. Ça s'en va très bien à l'eau. Arrangez pas mettre les doigts dedans. Et donc, bah, le ruban, je vais pas le mettre tout de suite. Je vais peut-être vous montrer aussi avec la perfo. Là, on a la perforatrice qui va, si vous prenez le lot avec celui-ci, vous avez la possibilité d'avoir le lot avec la perforatrice là. Alors moi, je vais m'en servir pour faire une couronne. J'ai cette idée là et je voulais vous montrer. Regardez voir. Donc là, vous perforez. Hop, allez, mettons, je perfore comme ça. Donc ça vous donne plein de petits. Alors ça, je garde. Vous avez vu? Ça vous donne plein de petits feuilles de houx. Donc de différentes tailles. Hein, avec les petites billes de houx. Et regardez, hop, je vais vous montrer une petite astuce pour celles qui ne connaîtraient pas. Si vous voulez faire toute une bande de houx, on va dire, donc vous remettez bien. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais là, vous avez encore des feuilles en haut et en bas. Et ça va vous aider à faire la banderole, en fait. Donc vous remettez, vous remontez vos feuilles de houx, voilà, jusqu'à l'avoir bien. Je vais pousser, j'ai mes crayons qui me gênent. Hein. Alors, jusqu'à l'avoir bien en face, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop.
Ouais. Je vais me lever. Oui, c'est bon. J'ai la retour et caméra, donc je vois que c'est bon. Donc là, vous voyez, vous avez la feuille de houx. Donc ça vous permet de reperforer. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas pris assez. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Hop. Pour continuer ma belle banderole. Voilà. Donc là, je me recale derrière. Au niveau de la feuille de houx et des petits branchages. Et là, vous avez la continuité. D'accord? Et ainsi de suite. Vous remettez bien. Alors, vous calez bien hein, jusqu'au bord de votre perfo. Et vous appuyez. Vous voyez? Alors ça, sur une carte, ça peut être super joli. Ça vous fait une bordure. Après, vous avez juste à tamponner votre dessin. Ça peut être, voilà. Une autre idée. Je trouve que ça fait une jolie... joli dessin. Et donc, je vous dis, moi, ça, je garde. Comme ça me sert aussi de pochoir. Alors, hop. Du coup, on va garder ces petites feuilles. Je vais en garder une grande, allez, deux grandes et une petite, et puis les petits points. Ça, c'est bien pratique avec notre mastic. Alors là, je vais prendre... allez, soyeuse succulente, je pense. Je prends la mine la plus... le pinceau le plus... Vous voyez, en diffusant l'encre à alcool, du coup elle s'évapore et ça vous laisse pas de traces. Là, je prends le cerise carmin. C'est moins évident. À la rigueur, j'aurais pu prendre le Stamparatus et puis laisser laisser ce que j'avais perforé pour guide. C'est-à-dire, attendez, je vais vous montrer ce que je veux dire. Ça va éviter de me batailler. Hop. Voilà, j'aurais pu laisser mes petits trucs comme ça dans mon Stamparatus, vous savez, la plaque de tampon, hop, et comme ça pour colorier, ils sont maintenus et c'est plus facile. Mais bon, vous voyez, hein, je m'en suis quand même sortie. Alors, on a dit, j'ai plus de commentaires, non, c'est bon. J'allais dire, ça y est, je vous ai perdu. Alors, celle-ci, moi, j'aurais presque pu la faire un peu plus foncée, quand même. Hein, parce que ça fait un peu terne, ça, je trouve. Et si j'en rajoute du vert foncé, du succulent, mais plus foncé. Parce que la couleur est un peu terne. Enfin, pas assez foncé pour moi. Ça fait pas assez vert. Hop. Vous allez réessayer ou pas? Je suis ma curieuse. Eh bien, allez, on va mettre à peu près par là. Ma colle.
Je l'ai posé tout à l'heure. Voilà. Ah, tu fais en même temps, Sandrine? Oh, c'est trop rigolo, trop sympa. Et tu fais avec quel set de tampons alors? Tu me dis hein, si je vais trop vite. Hein. Ou je scrape pas vite, moi. Non, ouais, je vais la mettre comme ça à peu près. Ma petite, elle est là. Ok, Karine, merci. Ouais, parce que c'est vrai que des fois on se demande hein, quand même. Puis on a la tête dans le dans la créa, on relève pas tout le temps la tête. Puis moi je suis assise hein, pour scraper, donc je sais pas scraper debout. Je trouve que c'est plus confortable d'être assise. Alors je vais mettre mes petites billes. Hop, on va faire du chirurgical. Je vais en mettre qu'un. Non, je vais en mettre un là. Non, pas trop. Ça, c'est plus dur à doser, mais bon, quand ça sèche, hop. On va remettre une petite par là. Celle-ci, c'est retourné. Zoup. Ouais, je vais remettre sur la pointe peut-être. Voilà, on y est arrivé. Mettre un petit vœu. Alors là, j'avais mis sur une autre petite étiquette. Après, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez directement sur le sur l'étiquette, ou soit vous refaites une étiquette à part. Après, là, c'est comme vous avez envie. Je ne sais plus où j'avais trouvé ce message-là. Parce que celui-là, il n'est pas dans le set là. Il y a pour vous. Mais il n'est pas. Je ne sais plus. Oh, on va bien trouver une. Pour que ça rentre quand même dans le petit coin là. Oh tiens. Ah, c'était dans celui-ci. Je ne m'en suis encore pas trop servi de celui-ci. Merci David. Oh, c'est trop mignon ça. Pour toi, ça va faire un peu grand. Comment j'avais fait celui-là? Celui-là, non, il doit être d'un autre set. Hein. Il doit être d'un autre set. Je cherche. Qui rentre, ouais, il me faut un tout petit vœu quand même qu'il puisse rentrer. Oh, je vais peut-être prendre dans celui-ci. Ah, mais c'était dans nos chaussettes. Voilà. Paix, joie et bisous. Est-ce qu'il va rentrer? Hop. Ah, ça va être beau avec les écureuils, Sandrine. Tu me montreras, hein.
Alors, est-ce que ça va aller? Pégeois et bisous. Ouais, je vais prendre. Alors, je vais essayer peut-être en quoi? En bleu nuit ou en rouge? Allez, on va rester dans le rouge. On va rester en cerise carmin. Je sais pas si je suis bien. Waouh! Un grand coup de bol. Hein. Parce qu'avec le téléphone en face, un grand coup de chance. Alors, on nettoie toujours les tampons hein, avec un petit coup d'eau. Alors, il nous reste à mettre quoi? Un petit ruban, un petit strass. Alors, moi, je reste dans ces couleurs-ci. Hein. J'aime bien. Ça y est, je suis éparpillée. Non. Allez. Hop. Je vais mettre celui-là. Là. Je vous montrerai après, peut-être avec un petit peu les crayons aquarellables. On a un petit peu de temps. Ouais. 3h10. C'est dimanche. Donc, je prends ce ruban-ci. Je trouve qu'il va bien avec. Ouais, les écureuils, ça va être joli. Trop mimi. C'est vrai qu'on n'est pas encore en hiver. Hein. J'ai pas pris très large, hein, quand même. Enfin trop très grand, je veux dire. Non, par contre, quand vous mettez votre ruban, faites attention hein, parce que c'est vrai que le trou est quand même à ras. Hein, donc, ne tirez pas d'un coup pour pas arracher votre votre perforant. Enfin, là où vous avez perforé. Hein. Et puis, c'est vrai que celui-ci, c'est filoche. Hop, moi j'aime bien couper en biseau. Vous voyez, c'est pas très long à faire. Vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Bon, vous tamponnez, vous les faites en série, vos tampons, mais après, vous coloriez en fonction de comment vous avez envie. Et je voulais vous montrer, je vais pousser un peu ça quand même, qu'on voit un peu clair. Voilà, hop. Et par exemple, comment faire aussi avec vos crayons aquarellables. Que là on a fait avec les Stampin' Blend et puis je remonterai après juste avec les Stampin' Blend ou avec l'Aqua Painter pour celles qui n'auraient pas les crayons alcool hein. Parce que pareil on peut pas tout avoir. Alors par exemple hop, donc vous pouvez déjà colorier comme ça avec vos crayons aquarellables. Bah, tu as raison, Sandrine. C'est vrai que les couleurs d'automne, hein, c'est beau. Mais là, nous, avec la pluie, à mon avis, demain, en allant au boulot, j'ai déjà voir que les arbres, ils sont moins jolis. C'est passé. Alors, je prends le crayon estampe. Vous savez, c'est
Un crayon, c'est pareil, c'est par lot de 3. Et il y a un petit peu de liquide dedans, donc vous pouvez voilà, mettre votre mine comme ça pour faire sortir un peu le liquide. Et vous allez voir, ça va, ben, voilà, comme on disait, estomper vos crayons aquarellables. Regardez, je vais vous montrer la différence. Vous voyez, là, je ne l'ai pas utilisé encore. Et là, je viens de passer dessus. Donc, en fait, ça limite les traces aussi. Et ça prolonge l'encre. Ça fait diffuser, en fait, votre encre aquarellable. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec votre aquapainter, hein, parce que l'encre aquarellable, c'est aussi c'est fait pour faire avec l'eau. Et puis vous pouvez rajouter c'était le crayon là, non, c'est celui-ci, pardon. Et puis en fonction de si vous voulez rajouter, voilà, vous remettez un peu plus de couleur à des endroits pour faire un peu plus foncé. Voilà, puis vous repassez un tout petit peu. Alors par contre là, comme c'est pas du papier aquarelle, vous frottez pas trop, hein. Autrement ça va faire des, ça va pelucher, ça fera pas joli. Voilà, c'est un autre effet, hein, que le crayon, c'est lequel qu'on a fait ensemble, je sais plus, ouais, c'était celui-là. C'est un autre effet, hein, que les Stampin' Blend, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Moi, vous voyez, par exemple, je préfère cette technique. Mais après, c'est selon ses goûts, hein. C'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est crayon de couleur et les pastels. Ça, c'est plus ma préférence, on va dire. Et puis là, ben voilà, vous reprenez... je vais prendre le jaune. Mais vous faites le même principe. Vous voyez, comme ça fait vraiment... ça atténue les traces de coloriage. Puis on va pouvoir rajouter une autre couleur. Alors vous voyez là, par contre, comme j'ai déjà utilisé mon crayon estompe, ça fait tout de suite plus gras quand je rajoute une autre couleur. À la rigueur, vous pouvez aussi passer déjà votre crayon estompe avant de colorier. Et après, vous pouvez mettre vos crayons de couleur par-dessus. Et ça fera cet effet-là, si vous préférez. Voilà, une autre petite technique en direct. Vous voyez, c'est joli aussi, hein. C'est un autre effet. Après... je suis en train de faire tomber mes rubans. Après, voilà, ça dépend ce que vous voulez créer comme effet, utiliser, puis quel crayon vous avez à la maison. Alors là, je voulais montrer justement pour Stéphanie qui passera peut-être par ici en replay. Donc là, les bonhommes de neige, moi je prends le béguin bleu. Hein, ah non, j'avais dit que j'allais lui montrer avec l'aquapainter. Alors, béguin bleu, je dois l'avoir en pad. Donc, comme c'est comme ça, vous appuyez un petit peu sur votre pad d'encre pour faire ressortir l'encre. Et vous venez donc sortir un peu
l'eau, s'il m'en reste suffisamment, voilà. Vous venez diluer. Non, je regarde que ça fasse pas trop. Hein. Voilà. Et là, pareil, hein, c'est pas du papier aquarelle, donc vous mettez pas trop. J'ai un peu, peut-être même un peu trop d'eau. Hop. Pour mettre un petit peu de couleur quand même sur notre bonhomme de neige, parce que bonhomme de neige ne sont pas tout à fait blancs, hein, on est d'accord. Vous voyez, plusieurs petites techniques en direct. Comme ça, vous choisissez celle que vous avez envie pour vous amuser et faire vos petites étiquettes. Donc là, je vais venir chercher pour faire la petite carotte. Pour bien reboucher vos encres. Peut-être mettre un petit peu de généreux pamplemousse. Alors pour nettoyer, hein, on est d'accord, comme tout à l'heure. Hein. Faites couler votre eau. Hop. Je vais pousser un peu. Voilà. T'en es où, Sandrine? Ouais, non, c'est pas ça que je voulais. Faire mes petits boutons quand même. Allez, je vais mettre en rouge. Ça fait joli aussi avec ce set là. Là, ça fait vraiment Noël. Hein. Plus que les autres, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai poussé un peu. J'en ai mis partout. Il y a de tout partout là. C'est quoi? C'est souffle d'écume que j'ai pris. J'ai perdu Sandrine, non? Je crois bien. Ou elle est concentrée dans ses écureuils. Mais Steph, tu es là. Regarde. J'ai pensé à toi, hein, t'as vu. Petite idée. Une petite idée toute simple avec les étiquettes. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice, hein, vous pouvez vous-même couper. Hein, c'est pas... Voilà. Voilà, rien de compliqué, hein. Parce que c'est vrai que quand on commence, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Même nous, hein. On craquerait bien sur plein de trucs, mais bon. Le banquier serait pas content. Alors ensuite, on va refaire la petite encoche. Alors moi, hop, je reprends celle-ci. Alors, on va essayer de bien se mettre, pas comme tout à l'heure. Je pense être droite. Je pense. Ouais. La nana qui s'amuse avec un rien. Alors, ça.
Ah oui, j'avais mis, je ne sais pas si vous avez vu, parce que dans ce set-là, il y a aussi des petits tampons comme ça. Il y a aussi les petits tampons là, il y a les petits tampons là. Donc il y a ceci. Alors ça, c'est un set de l'année dernière, mais qui est toujours dans le catalogue, hein, qui est dans le catalogue annuel, qu'on a tendance après à oublier en faveur du catalogue de saison. Alors là, je viens de le faire, voilà. Hop. Il y a aussi celui-ci. Je vous avais montré, hein, sur... regarde, pour ceux qui voudront. J'avais fait une carte l'année dernière avec ben, ce set-ci. J'avais fait le fond et puis j'avais mis en 3D ce personnage-ci. Et celui-ci, il y a aussi la perfo pour faire ce gugus-là. Voilà. Donc ça, moi, c'était un lot de l'année dernière que j'avais pris. Je trouve que là, vous pouvez faire de jolis home déco aussi. Je pense que je vais essayer de travailler là-dessus aussi pour faire un petit home déco. Alors, je vais mettre un petit peu de petits flocons. Voyez, hein, moi, ils sont un peu. Il faudrait que je vois pour les nettoyer pour qu'ils recollent mieux que ça. Puis là, il faut dire que j'ai utilisé Murmure Blanc sur mes blocs. Voilà, c'est trop joli, j'aime bien. Alors pareil, quand vous tamponnez comme ça, n'hésitez pas à tourner un petit peu vos tampons, hein, pour les mettre dans différents sens. Ben là, je vais peut-être laisser pour mettre un vœu quand même. Et puis, je vais vous montrer les petits là. Il lance des boules. Voilà, je mettrai le diamant parce que j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Quand on se trompe, on camoufle, hein? On jette pas surtout. On met un petit strass, on fait une étiquette pour camoufler. Enfin voilà. Alors là-dessus, je vais remettre quoi? Je vais remettre. Eh ben, je vais reprendre de l'autre. Je vais mettre pour toi. Pour toi, et il est où celui-ci? Je le vois pas. Ah, ben il est là. Alors, prends. Attends. Oui, Karine, c'est vrai. Ouais, c'est parce que j'ai voulu, voilà. J'aimais bien ce ruban-là. Mais c'est vrai que oui, pour les. Ça serait plus judicieux, effectivement. Là, je vais mettre en bleu nuit, peut-être. Ça ressorte un peu. Alors, vous pouvez, donc, comme je disais, indirectement sur. Oh, ça fait foncer quand même. Non, ça va pas me plaire, ça. Bleuet des bois. On va sortir la panoplie de bleu. Bon, on va rester, hein, dans le même coloris. Ah ben non, je voulais pas salir ça. Ah, Karine, je voulais pas le salir. Je vais le garder. J'étais trop vite, j'ai tamponné sur notre beau set. Alors, allez, je vais rester dans le bleu. Moi, ouais, je préfère. Je préfère ainsi. Bon, après, c'est
Chacun ses goûts et ses couleurs. Alors, eh ben, on va prendre un petit ruban beaucoup plus fin. Tiens, j'ai écouté ma copine. Hop, on jette un peu les petits détritus. Allez, on va mettre quoi? Allez, un petit peu de diamant comme ça. Ce qui brille un peu. Je vais en mettre là. Je vais en mettre plus. Hein. Des paillettes, du brillant. Ah ben là, hein, pour camoufler, on a dit. Hop. Et puis un petit troisième. Je préfère les chiffres impairs dans la déco. Je trouve que c'est plus joli. Bon, écoute, Karine, t'exagères. Hein, je fais ce que je peux. Je t'embête. Hein. Oui, je sais, c'est de la ficelle, c'est pas du ruban. Mais ouais, mais regarde, je trouve qu'il brille. Il est beau celui-là. J'aime bien. Sacré toi. Et ça, si je mettais un peu de ça. Vous savez, c'est notre cristal effect. Pour faire un peu de neige. Alors ça, par contre, il faut le laisser sécher. Hein. Juste en mettre un peu comme ça. Je verrai bien ce que ça donne. Alors, je vais mettre ça de côté, pas mettre tes doigts dedans. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà, je vais pousser un peu tout ça. Comme ça, vous allez voir un peu l'ensemble. Comme ça, ça vous donnera des petites idées. On va ranger un peu tout ça à vitesse. Sandrine qui rigole. Exagère, hein, Karina, dis donc. Voilà, je pousse un peu tout. Zoup, zoup, zoup. Que ça fasse un peu plus propre. Ah, mais j'ai pas mis ma petite fleur que j'avais faite là. Bon, bon c'est pas grave, on peut pas toujours faire tout à fait pareil. Comme ça, c'est bien. Ça vous montre un petit peu les différentes idées. Donc ça avec les Stampin Blend, donc les feutres à alcool. Celui-ci aussi. Ça, c'est les crayons aquarelles. Ça, c'était pareil, feutre à alcool. Ça, c'était avec l'Aquapainter. Celui-ci, c'était le Stampin Blend aussi. Donc Stampin Blend et feutre à alcool, c'est pareil. Hein. Et là, donc... un peu de... voilà, c'était avec l'Aquapainter aussi. Voilà, des petites idées, sans mettre les doigts dedans, j'ai dit. Donc voilà, vous n'aurez plus qu'à vous amuser. Oui, je sais, Karine, je sais. Autrement, on ne serait pas ensemble. Si on ne se taquinerait pas, c'est pas possible. On aime ça. Voilà. Donc voilà. Alors, quelques petites idées. Surtout, amusez-vous bien. Puis montrez-moi aussi. Ah oui, je voulais vous dire aussi... j'avais diffusé ça, je ne sais plus si c'était samedi. Donc, pour celles qui seraient intéressées, n'oubliez pas, du 16 au 18, donc vous allez avoir des promotions. C'est la promotion saisonnière, hein, si ça vous intéresse. Il y a 10% sur le papier cartonné, 15% sur les tampons encreurs et 20% sur les poinçons. Donc, pour les poinçons, pour celles qui commencent, il faut la machine de coupe. D'accord? Donc, voilà. Hein, donc, c'est du 16 au 18. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
voir si ça vous intéresse et puis à commander à ce moment-là. Voilà, parce que là, c'est la promotion saisonnière. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien vous amuser, que vous allez essayer de refaire pareil. Et puis, avec les sets que vous avez, hein, si ça vous donne envie. Les étiquettes, les perfos que vous avez. Voilà, les différentes techniques. Et n'hésitez pas à me montrer, à publier. Parce que moi, j'aime bien regarder aussi. J'aime bien voir vos résultats. Parce que, voilà, chacune a ses façons de faire et ses idées et puis ses tampons. Donc, c'est super enrichissant, ce partage. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo pour celles qui voudraient connaître un peu de loisirs créatifs, puis qui, voilà, qui voudraient s'y mettre tout simplement pour faire de jolies petites étiquettes personnalisées. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine pour celles qui travaillent, puis même pour les autres, hein, bonne semaine à tout le monde, il n'y a pas de raison. Et puis, voilà, on se retrouve ben, normalement vendredi prochain, alors je ne sais pas sur quoi, je verrai bien. Et puis, ben, nous, les filles, voilà, on se retrouvera jeudi en Zoom. Katia m'a gentiment proposé, donc je vais essayer de relever le défi. Allez, bisous, bisous. Bye.